seconde bande-annonce de Deadpool 2 vient d'être dévoilée. Action, répliques cinglantes et moqueries sont au programme. Le deuxième volet des aventures du plus irrévérencieux des super-héros sort dans nos salles le 16 mai. Alors qu'on apprenait ce matin que des reshoots avaient eu lieu au mois de février et qu'il y aurait certainement un caméo encore tenu secret, Hugh Jackman, dans le film, une nouvelle bande-annonce de Deadpool 2 vient de tomber. Et elle risque de ne pas plaire à ceux qui font un régime sans gluten. De nouvelles images riches en action qui nous permettent d'en savoir plus sur l'intrigue de ce second volet. Cable, incarné par Josh Brolin, est à la recherche d'un enfant qui met carrément le feu, joué par le jeune Julien Denison, et dont l'identité dans le film est encore inconnue, sauf que Wade Wilson, Ryan Reynolds, est bien décidé à protéger ce dernier. Il va alors former un groupe de « casseurs moralement élastiques et assez jeunes » pour assurer 10 à 12 ans de suite, connu sous le nom de X-Force. Après s'être pris et moqué du professeur Xavier, Deadpool s'en va donc en guerre. Au programme, saut d'un avion, bagarre dans un bar avec des talons hauts pour justifier la mention à 27 robes et le diable s'habillant. Prada, course poursuite, retournement de cervical, combat avec des ninjas en culotte de sumo, cassage de gueule avec un parpaing et fusillade lors d'un enterrement. Ce second volet, qui selon les propres termes de Wade Wilson, sera « une tuerie » et ne justifie donc pas de troisième volet, pourtant déjà annoncé, promet donc aux spectateurs de belles scènes d'action. Si la première bande-annonce nous apprenait que Terry Crews figurait au casting du film de David Leitch, cette deuxième vidéo nous confirme la présence de Bill Skarsgård, alias Pennywise dans ça, en tant que membre de la X-Force, aux côtés de Domino, Zazie Beetz, Megasonic, Brianna Hildebrand, Colossus, Stéphane Kapicic et Terry Crews. Deadpool 2 sortira dans nos salles le 16 mai.